Hello les bubble fans. Coucou les bubble fans. Hello Athéna, coucou Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Ah, ça fait plaisir. Calice, on a trouvé une idée, tous les deux, on va faire un... Yes Man Challenge. Oui, un Yes Man Challenge entre sort, donc pas pendant 24 heures, voilà, pendant quelques heures, le temps de trouver des idées, parce que c'est toi Calice qui va tu trouver les idées. Là, c'est ta sœur qui doit... Google. Ah oui, c'est un petit peu haut. Oui. Ta petite sœur Athéna doit te dire oui à toutes tes idées que tu vas trouver. Ok? Oui. Alors, je te laisse réfléchir à la première idée. C'est quoi ça? Ah, moi, je suis pas au courant. Par contre, tu as peut-être déjà réfléchi. Ah. Normalement, c'était pour faire une vidéo à part, mais pourquoi pas? Alors, ok, je te dis oui pour le coup. Et pour qu'Athéna te dise oui surtout. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Est-ce que tu veux que je te mette des câlins touffus partout? Alors, des câlins touffus, qu'est-ce que c'est? Des câlins touffus, trois. Tu sais où est la boîte? Allez, on va faire la question jouée. Allez, je t'attends. Regardez les câlins touffus. Alors, vous connaissez les trois intos, je suppose. Ce sont. Oh, c'est tout doux. C'est tout doux. Ça, c'est la belle boîte. Hein. Merci d'ailleurs à Azro de nous avoir envoyé ces câlins touffus. Je vais faire une vidéo à part, mais c'est rigolo. On peut. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu veux? Ah oui, Timélie, tu veux faire quoi comme challenge? Vas-y. Je vais les mettre sur Athéna partout. D'accord. Athéna, elle peut pas dire non. On ouvre. Ben, je veux. Ah, mais tu veux en plus. D'accord. Donc, il faut mettre le maximum de câlins touffus trolls autour des bras et des jambes d'Athéna. Allez, c'est parti. Mon kiwi. Et t'as prête à d'autres idées, Calice? Oh là 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 là. J'ai hâte de voir ça. Alors, quelle couleur c'est? Évidemment, il y en a plusieurs à collectionner. Ah, c'est trop choupinou, regardez. Ça peut se mettre autour d'un bras, autour d'un sac à dos. On peut le mettre en boule pour le faire rouler. Mais regarde, ça met des poils plusieurs. Partout. Il est turquoise. Ça met des poils partout. Oui, et c'est qui? Ah, c'est qui? Et c'est qui? Ah, mais il est en boule! Voilà! Oh, bah, elle est très jolie celle-ci! D'accord, donc pour l'instant, tu enlèves des plastiques, c'est ça? Oui! Ah, mais combien tu vas en mettre? Il faudrait faire au fur et à mesure, je sais pas combien on va pouvoir en mettre. Moi, je propose d'en ouvrir, je sais pas, une quinzaine déjà pour voir. Oh, il est joli celui-là! Ah oui! Oui, comment ça s'appelle déjà celle-ci? Ah! Moi, je suis un poppy évidemment, mais c'est pas poppy. Poppy, c'est la rose. Et après, bien lui, sûr. Lui, on le connaît tous! Ah, ouais! Principal. Génial. Ah, alors regardez, je vais mettre par terre. Déjà. Sur le blanc, ça va être joli. Hop. Hop. Ah, génial. On n'a pas Poupie encore. Et après, bien sûr, dans une vidéo, Athéna, tu auras ta revanche. C'est promis, pour ceux qui veulent un Yes Man avec l'inverse, Athéna, tu pourras demander à Calice de te dire oui. Encore un double. Ok. Vas-y. Prochaine vidéo. Non. J'espère que ça vient. Plein de gros bisous. Voilà, et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Il n'y a pas Poppy, est-ce qu'on va avoir Poppy? C'est trop doux. Ah, un double. Ah. Oui, mais c'est normal, parce qu'il y en a combien à collectionner? Il y en a 6. 6, ouais. Oui, donc c'est normal. Ouais. Ah, il y a Poppy. Youpi, elle se faisait attendre. Eh ben, je crois qu'on a 3, 6, 9, 12... 15, c'est bon, c'est plus la peine de l'ouvrir. Non, pas Alors, déjà, on va essayer avec ces 16 là. Après, Athéna, tu vas te mettre comme une statue. Et Calice va s'amuser à mettre les petits câlins trolls sur tes bras et tes jambes. Voilà, comme ça. Allez, c'est parti, attention. Wouh, c'est trop mignon. Je pense que vous connaissez le concept de ces petits bracelets. Voilà, quand on a un petit coup, ben, ça s'enroule. Yes, et de deux. Ça tient bien, Thomas? Et de 4. Et de 5, c'est génial, ça tient très bien. Et de 6. Allez, l'autre bras. Je pense pas que tu arriveras à mettre 7. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Muscles colorés. Et de 4. En fait, on dirait que tu as des manches en doudoune. Et de 6. Poppy! Maintenant, oh, joli. Ok. Et de 3. Et de 4. Allez, encore 3. Poppy! Oui, je l'avais dit. C'est Poppy! Yes!
Alors, je sais plus combien il y en a là, mais on va réussir à tout mettre. Hein. Toute la boîte qu'on a. On l'avait reçue, tu vas pouvoir les mettre autour de ta télé. C'est un beau challenge de Yes Man Challenge. Yes. Oh, raté. Canin touffu. Canin touffu, bravo. Oh, c'est trop doux. Et regardez, il y a la cerise sur le gâteau. Athéna. Voilà, comme ça, t'es un vrai troll. Waouh. Hey, championne du monde. Le premier défi de ce Yes Man Challenge. Tu peux rester comme ça pour l'instant si tu veux ou en garder quelques-uns. T'es pas obligé de tous les garder durant la vidéo. Mais tu peux en garder autour de ton bras si tu veux. En tout cas, ça nous amuse. Oui, alors, Calice, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as une idée de deuxième défi pour le Yes Man Challenge avec ta soeur? Athéna, tu vas convaincre papa de se faire maquiller. Non. Oh non. Youpi. Normalement, c'était pas. Ah non, la cible. Tu dis oui ou pas? Oui. Bon, bah, ça gagne pour moi, c'est pas gagné. Mais ça va être très giga joli. Oh, c'est mignon. Ça suffit pas. Parce que je suis très jolie, je vais te dire oui pour me faire maquiller. Regarde avec ses petits yeux de chat. Regardez. Giga joli. Bon, allez, c'est parti. Allez, c'est parti, d'accord. Vous savez où le maquillage, on avait fait déjà une fois un challenge comme ça. Ok, je vais positionner la caméra. Oh non. Pourquoi c'est moi qui suis la victime? Oh, à quoi je vais ressembler encore? Ça y est, on est en position. Oh. Bah, allez-y. Ah, vous savez comment ça marche? Il y a quoi? Il y a du rouge à lèvres, évidemment. Et il y a un crayon. Alors, ça, c'est un eyeliner. C'est pour faire le contour des paupières, hein, si je ne me trompe pas. Là, je crois que c'est pour les yeux, ça. Voilà. Et là, il y a un fond de teint. Donc, bah, allez-y. Athéna, bah, tu peux t'amuser avec le crayon si tu veux. Attends, je vais retourner ça comme ça, je verrai pas, ça sera la surprise à la fin. Allez, je suis fou jusqu'au bout. Voilà, je vais retourner comme non, ça, je vois pas du tout ce qu'elles me font. Okay. Je sens juste, mais je ne sais pas du tout. Je vais essayer de deviner, tiens. Et, tu sais, normalement, c'est un maquillage, elles sont en train de me prendre pour une œuvre d'art. Pourquoi elle rigole? Tiens. Oh, ça fait mal. Faut pas, je suis pas une feuille de papier. Aïe, mais pourquoi il pique? Ah, c'est cool, j'ai l'impression d'avoir des maquilleuses professionnelles. Non, ah, le rouge à lèvres, c'est pour les lèvres. Merci, Calice, bravo. C'est une pro de maquillage, toi. Oh, non, mais c'était pas une... Non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas comme ça qu'on fait. Allez, on fait. T'es trop joli. Oh, merci. Ça marche? D'accord. Un peu. T'es trop beau. Oh, merci. Oui, c'est vrai. Voici pour les paupières. Non, c'est moi qui fais. Alors, voilà, vous faites délicatement avec délicatesse. Pouf. Vas-y. C'est délicat, ça? Oui. D'accord. J'ai pas l'impression que c'était avec délicatesse, mais bon. Non, normalement, c'est pas pour le nez. J'ai un petit peu peur, là. T'as un bleu sur le nez. Voilà, j'ai pas encore regardé, mais dites-nous en commentaire si je suis méga giga jolie, comme disait Athéna. Est-ce que je retourne ou pas? Vous avez fini votre œuvre? Attention. C'est quoi ces moustaches là? C'est une moustache! C'est pas les moustaches de chat, hein. Là, c'est... Non, c'est une grosse là, c'est... moustache! Là, c'est la moustache de parole de chat, exactement. Non, pas de chat, des moustaches de parole de chat de Noël sur la chaîne Fairset. Oh là 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 là! Ça me déprime! Mais bon, c'est rigolo. Allez, c'est plus moi le cobaye cette fois, je voudrais un challenge, mais pour Athéna, s'il te plaît, pas contre moi. Est-ce que t'as une idée? Ah, c'est quoi? Athéna, viens voir. J'ai un gros bleu sur la joue, regarde. Oh, tu te maquilles aussi, toi? Non, mais j'ai un gros bleu. Donc,
Donc, qu'est-ce que tu vas demander à Athéna pour ce Yes Man Challenge entre sœurs? Tu vas boire du coca lait. J'ai entendu. Et c'est quoi? Je vais boire du coca lait. Eh bien oui, parce que oui, c'est vrai que Caïs adore le coca lait. Je crois qu'on l'avait vu une fois d'ailleurs en croisière, mais Athéna n'a pas encore l'occasion de goûter ça. Eh bien, c'est parti. Mon kiwi. T'as pas dit... Attends, elle a pas dit oui. Est-ce que tu veux bien boire du coca lait, Athéna? Oui, mais j'ai jamais goûté. Ah bah oui, mais c'est ça qui est drôle. Oh là 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 là, c'est parti. Le coca est de sortie, le lait aussi. Attention, dégustation. Oh, c'est bon. Ça te... Il est bon? Attention, dégustation d'Athéna. Ça va, t'aimes bien? Merde. Ah, je vais goûter moi, ça vous... J'ai dû goûter moi il y a longtemps. Du coca avec du lait, dites-nous en commentaire si vous avez déjà vu ça. Ah, du rouge à lait. C'est horrible. On sent bien le coca, on sent bien le lait, hein, c'est clair. Ah, c'est très spécial. Mais t'aimes bien Athéna? Ouais. Ouais, bah tu pourras en boire lors de la prochaine croisière avec Calice alors. Ok, on enchaîne. Est-ce que t'as une idée, Calice, ou pas encore? Ok, bah, je te laisse réfléchir. Non, ça y est. Alors, viens voir. C'est quoi? D'accord. Bon. Tu veux venir avec vous? Non, non. Oh, c'est quoi encore cette histoire? Bon, bah, juste à la caméra, attendez, vous m'appelez quand vous savez. Bon, je sais pas encore si c'est contre moi ou si c'est quelque chose qu'elles ont pas le droit de faire en temps normal. On va voir. Bon, je leur ai dit de pas faire trop de bêtises. Bon, bah en attendant, moi je suis sur l'ordinateur, je joue jeu, je ne regarde pas. Ça y est, papa, c'est bon. Ah, c'est bon? Oui, faut que tu mettes tes chaussures. Alors. Faut que tu mettes tes chaussures, par contre. Ah, c'est le beau pot. Faut que tu mettes tes chaussures. Oh, ah, on sort? Oui. On va dehors? Oui. Maintenant, tu prends des lourds. Tu veux... Mais t'inquiète, c'est pas loin. Et puis. Ah, t'es là, tu viens? On sort? On met les chaussures? Oui, on met les chaussures. C'est n'importe quoi. Ah! Attends, attends. Non. Ah! C'est... Non. Ah non! D'accord, ok. Je me doutais qu'il y aurait un truc comme ça, mais je pensais pas aux chaussures. C'est du slime! Ah, mais c'est du slime noir! Un slime au pied! C'est dégoûtant! Je sais. Mais c'est contre Athéna? Pourquoi t'as pas mis ça dans les chaussures d'Athéna? Pourquoi c'est dans mes pieds à moi? Hein? Bon, allez, la prochaine, je veux que ce soit contre Athéna. Allez. Bon, je te laisse réfléchir. Alors, Athéna, tu t'amuses bien? Avec les câlins touffus. Ah oui, on peut les faire rouler aussi, t'as raison. Oh, ça roule très bien. C'est normal, je les ai mis à l'intérieur. Ah! T'as trouvé? Oui! On continue ce Yes Man Challenge qu'on a commencé tout à l'heure. Et Calice réfléchit au fur et à mesure à des idées. C'est pas contre moi? Je veux plus contre moi, hein. C'est contre ta soeur, il faut que ça soit gentil aussi. Je vais lui couper les cheveux. Non, pas ça. Attends, tu veux... Non, tu le coupes comment? Moi je veux pas. Un petit peu. Un petit peu, hein. Une méchouillette. Vas-y. Et voilà, Athéna. Attends, vas-y, donne-lui quand même. Les petits cheveux. Bon, ça va, tu vois, ces toutes petites mèches, ça se voit pas du tout. Regardez, ça va. Où est-ce qu'elle était? Elle était là, pour le coup, c'est vache. Ça, c'est un truc que ça se fait pas trop. Mais j'ai du rouge sur les mains, moi. Non! Mais non! Oh, elle a coupé la mèche en deux. Oui, à la une, à la deux, à la trois. Oh non, mais non! Faut pas les jeter! Faut pas passer l'aspirateur. Ah, t'es là? L'aspirateur. Attends, tu vas passer l'aspirateur. T'as un feu sur la langue. Ah, c'est un très bon défi,
ça. Un très bon paillot dessus, mais une très bonne demande. Ok, par contre, tu sors l'aspirateur et tu lui branches, et elle va juste le passer là où il y a les cheveux. Allez, c'est parti. Ça, c'est une bonne idée pour le coup. Alors, c'est parti. Donc, je vais prendre le ciseau quand même. Voilà, on va pas se blesser. Oh non! Bon, est-ce que les cheveux ont bien été coupés? Oui. Bon, est-ce qu'on continue ce Yasmin Challenge? Encore une idée ou pas? Oui! Parce que ça fait pas mal là comme petites épreuves, la pauvre. Allez, une dernière, c'est plus gentil là que les cheveux quand même. Ah, c'est quoi? C'est un cache-cache! Oh! T'as entendu maintenant? Et ça, tu veux ou pas? Oui! Oui! Allez, on va faire un cache-cache chez qui commence à compter. Cali, c'est toi qui décide. C'est Athéna qui compte d'abord. On va faire une fois chacune. D'abord, tu commences à compter et c'est Athéna qui va se cacher. Alors, tu comptes. Dans les toilettes! Tu peux aller dans le coin si tu veux. Ou tu veux. Ou dans les toilettes, oui, t'as raison. Dans les toilettes. Tu comptes jusqu'à 30, comme d'hab. Ça marche! Et très fort! C'est parti! Non, pas là. Elle n'est pas là, c'est le gros bluff. Là, il y a les affaires de ski. Alors, là, on est dans la chambre. T'as mis sous le lit? Oui. Ok. Sur le lit? Sous le lit? Bon. Ah, ça passe par où? Elle s'est cachée dans les affaires de ski. T'es où? J'ai cru. Non, elle n'est pas dans ma chambre. Mmh. Elle n'est pas dans la pièce où je vais non plus. Allez, on donne des indices. Bon, les taux se resserrent. Ah, elle est bien cachée quand même. Tu mets du temps à la trouver. C'est un cache-cache improvisé. Il y a un peu de bazar. Hein. Même du maquillage. Oui, en fait, est-ce qu'elle est là? Elle n'est pas dans la cabane. Ok. Oh, elle n'est pas dans la penderie. Elle n'est pas dans mes chaussures, peut-être, non? Non. Alors. Ah, ça aurait pu, elle adore se cacher sous Fat Boy. Mais non. Elle est très très bien cachée, hein. Est-ce qu'elle est dans la cuisine? Non. Dans le salon? Bon, moi je pose la caméra, hein, voilà. Si tu la trouves, tu dis. Ah, elle a tout. Bravo Athéna! Elle était super bien cachée, elle savait plus où te trouver. Et je lui ai pas donné d'indice à me regarder, je sais pas. Et après d'un coup, mais tu l'as aperçu derrière le petit nounours? Non, j'ai juste vu qu'il a bougé de place. T'as couru par là? C'était la seule cachette qui restait? Non, il a bougé de place. Ah, il a bougé! Ah oui, par rapport à tout à l'heure, effectivement, on l'a bougé. Bravo, bonne observation. Bon, bah maintenant c'est à Athéna d'aller compter dans les toilettes pendant que Calice va se cacher. Tu comptes jusqu'à 30, Athéna? Allez, c'est parti. Elle était plus rapide que toi, je vais pas donner de petits indices. Bravo les filles, allez revenez, on va faire la petite conclusion. Et puis recommencer. Ah bon, on peut recommencer. On va d'abord conclure la vidéo, parce qu'on en a fait plein de petits défis. Bravo Athéna, t'as dit oui à tout. Hein. Même tes cheveux, même pour me maquiller. Bravo. Championne du monde, check. Allez, bravo Calice pour tes petites idées. Pour le maquillage, je trouve pas que ce soit une bonne idée en fait. Ça fait rire. Allez, viens. Et après, il y aura la revanche dans une prochaine vidéo. Je te promets, Athéna, tu vas pouvoir trouver des idées.
pour que Calliste dise oui à tout. J'espère que vous avez aimé. Alors, dis pas. Tu la gardes pour toi, tu dis pas à Calliste non plus. On verra ça, si vous voulez, dans quelques jours, hein, pour cette revanche de Yes Man Challenge entre sœurs. Merci les filles d'avoir participé. Et puis merci à tous d'avoir regardé. Petit pouce en l'air. Hein, on partage, on commente, abonnez-vous. Et bien sûr, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bonnes vacances à ceux qui commencent leurs vacances, comme nous au moment où vous voyez cette vidéo. Merci à Hasbro d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et on vous fait plein de gros bisous. A bientôt sur Steve Bubble Tea. Et n'oubliez pas, soyez. Soyez. Bien. Soyez. Bon. Et vivez bon. C'est catastrophe ce maquillage avec ce petit bonnet moi troll. À l'attaque. En fait, c'est un challenge contre moi. J'ai encore les pieds pleins moi de slime. À l'attaque.